Ça me passe super bien, mais c'est parce que je suis pas encore habituée. Puis j'ai personne pour me corriger, donc j'essaie de personner les cordes pour que ça sonne bien. Mais pour l'instant, j'en suis à 5 accords. Donc si je me trompe pas, c'est le mi mineur. Le la majeur, le la mineur si je me trompe pas, et le ré, je ne sais pas si c'est mineur ou majeur. Donc j'en suis à la pour l'instant, mais pour l'instant je dis pas si c'est mi ou majeur ou mi mineur, je fais juste les accords. Mi c'est quelle position et La c'est quelle position et Ré c'est quelle position. Donc ça c'est le La et voici le Ré. J'ai encore du mal à placer bien ma main, mais je sais pas pourquoi quand je joue le Ré ça fait aussi bizarre la note. Voilà, c'est bon. Mais j'essaye aussi d'enchaîner les accords sans trop regarder où je place mes doigts, mais je regarde parce que là, je suis petite, donc si je fais totalement comme ça je vois pas, donc je place la guitare en fonction de ce que je vois, puis j'essaie de jouer les accords comme ça en fait, en répétition comme ça. Je pense prendre des cours de guitare, mais pas tout de suite, peut-être au mois de décembre. Je verrai en fonction des sous. Sachant que je ne sais pas combien coûte, par exemple, des cours de guitare par mois, parce que je sais que c'est un cours, c'est un certain prix, et ce prix-là, multiplié dans le mois, je ne sais pas. Donc il faut que je vois par rapport à ça combien d'argent je mets dans mes cours de guitare. Et je sais qu'il faut mettre le prix pour avoir un bon prof, donc faut pas non plus abuser du prix, faut un bon prix. Hier j'ai eu un problème avec ma vidéo que j'avais filmé ce week-end, donc du coup je vous refilme une vidéo en espérant que là ça sera bon. Le problème c'était la musique en fait, j'ai voulu changer de musique, ça l'a fait, mais ça a coupé le son du reste de la vidéo alors que je comprends pas pourquoi. Donc ce que vous avez vu juste avant ça, c'est mon rangement en fait de mon meuble. Là où il y a tous mes DVD, bien sûr, j'ai juste nettoyé, j'ai pas remis en ordre complètement la collection de DVD, mais ça va faire petit à petit. Mais je pense qu'il y aura des changements dans ma chambre parce que là, le truc, il est trop près du mur par là-bas et j'aime pas ça. Je sais pas si je peux le... Je pense pas qu'il y ait la place là,
Ça prend trois carreaux là. Faudrait que je décale mon bureau, je veux pas trop le décaler, donc du coup, le meuble là où il y a mes DVD, je pensais le mettre là-bas. Là où il y a ma valise, et ma valise, je la mettrai là du coup. Parce que je sais pas, c'est. Là, c'est oui, c'est dans le coin, mais en même temps, je peux pas accéder à tous mes DVD pour nettoyer, c'était horrible. J'étais sous mon bureau. Oui, j'aurais pu décaler mon bureau, mais j'avais pas envie. Et puis la flemme, quoi. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous passez une bonne semaine. Moi, bah, ça va. En ce moment, il fait beau, il fait gris, il fait beau, il fait gris. Là, en ce moment, il y a du soleil. Mais ce matin, il y avait de. Enfin, il pleuvait ce matin. Clairement, donc voilà. Sinon, ben, je viens de finir de manger. Hier, on a fait un gratin aux épinards. Donc, on a fait des étages genre patates, épinards, lardons, fumés, et des étages comme ça. Et au final, on a mis une sauce béchamel maison. C'était bon, mais j'aime vraiment pas les épinards. C'est pas mon légume. Après, je pense que pour essayer de varier mes légumes, à part brocoli, haricots verts, je parle de légumes verts, hein, pas de légumes d'autres couleurs, le légume qui est vert, j'en mange pas énormément et je pense que ça, une fois par mois ou tous les 2 mois, ça m'irait. Mais une fois par mois, je pense que c'est pas mal déjà pour les épinards. Après, les épinards, je les aime mieux avec du riz que comme en gratin, comme on a fait, mais j'aime quand même pas les épinards, donc voilà. Donc c'est ça qu'on a mangé ce midi avec des patates sautées à côté parce que trop d'épinards, moi, bœuf, et du poulet et un yaourt en dessert comme tous les desserts que je prends, c'est des yaourts. Donc voilà. Sinon, vous avez fait quoi de beau ce week-end, vous? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je pense que je sais pas si cet après-midi je vais pas essayer d'écrire des cartes parce que ça me manque un peu d'écrire. Voilà. Sinon, ben, vous avez pas vu hier ma vidéo du coup parce que je l'ai supprimée. Mais j'avais fait le ménage de ma chambre, donc bon, là c'est redevenu un peu encombré, mais pas tant que ça. Et là j'ai encore du linge à plier sous ma housse de guitare, donc je suppose qu'il faudrait pas la mettre tout le temps dans la housse. Mais j'ai pas de repose-pied pour la poser. Et je ne veux pas la poser comme ça, à terre ou quoi que ce soit, vous voyez. Donc je préfère la remettre dans sa housse à chaque fois. Après, elle n'est pas très lourde comme guitare. Désolée, vous étiez coincée par la guitare. Ouais, donc ma chambre, elle ressemble à ça en ce moment. Voilà, donc il n'y a plus de batterie, je vais vous laisser et on se retrouve plus tard. Recoucou, donc aujourd'hui bah, j'ai écrit 3 cartes pour Post Crossing. J'en ai pas écrit plus parce que bah 3 c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. J'en renverrai je pense un peu plus tard dans le mois. Donc la première carte, c'est pas la première. Si. Attendez. Non, c'est pas la première, mais bon. La première carte que je vous montre, je vais tourner la caméra. Donc, cette carte, elle vient. Elle va partir en Chine, il me semble. Oui. Donc, voilà, ça c'est une des cartes que j'ai achetées sur. Via Post Crossing, donc je pense que je vais m'en racheter peut-être l'année prochaine un peu plus que une parce que
Les gens, ils aiment beaucoup les cartes qui montrent une carte de qui vient de quel pays et tout ça. Et en plus, il y a les informations sur la Guadeloupe, il y a le drapeau des Antilles Guadeloupe. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Ensuite, j'ai pris cette carte qui va partir, il me semble, au Japon. Non, elle va partir en Allemagne. C'est une carte de case créole typique guadeloupéenne, antillaise, enfin tout ce que vous voulez. Et ensuite, c'est celle-ci qui part au Japon. Quand vous verrez ce vlog, les cartes seront déjà en train de voyager. Voilà la carte. C'est une personne qui voulait qu'on lui envoie, il me semble, des paysages du pays, puis d'autres trucs, mais moi j'avais que ça. Et elle me dit pourquoi j'avais choisi cette carte. J'ai dit parce que j'aime bien aller à la plage, même si là en ce moment j'y vais pas vraiment. Mais j'aime quand même bien aller à la plage. Si on me propose d'y aller et que je peux y aller, j'y vais. Donc voilà. Ça, je pense que je vais les poster demain. Donc quand vous verrez ce vlog, elles seront déjà postées. Voilà. De temps en temps, ça fait du bien d'écrire des cartes postales. Pour les trois personnes, j'ai demandé. Est-ce qu'elle jouait d'un instrument? Parce que moi, du coup, je me suis mise à la guitare, j'ai voulu parler un peu de ça. Sinon, là, il fait super chaud dans ma chambre. Je viens de finir de boire un macchiato au caramel. Je mets le ventilateur parce que j'ai beaucoup trop chaud. Parce que je commençais un peu à m'endormir sur ma. Sur le canapé, je me suis dit il faut que je boive un café. J'essaye de pas en boire tous les jours, ce que je fais d'ailleurs, j'en bois pas tous les jours parce que déjà comme je sucre mon café, c'est pas bon pour les diabétiques. Le café n'est pas bon en général, mais j'en bois pas souvent. Et quand j'en bois, c'est quand je suis vraiment fatiguée ou je pense que si j'ai une envie de sucre, je vais en prendre, vous voyez, mais sinon j'en bois vraiment pas, c'est pas mon truc. Voilà. Sinon, j'ai lavé deux pinceaux que je me maquille pas, mais je les ai lavés parce qu'ils étaient. Ça me tannait de les voir sales sur ma commode. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'aimerais pouvoir acheter beaucoup de timbres. Le mois prochain, je vais voir si je ne vais pas essayer d'acheter des timbres monde violet Marianne. Parce que ça serait pratique pour envoyer vraiment plus pour envoyer dans les pays asiatiques, russes, dans les pays. De l'Est, si je me trompe pas, qu'on dit dans les pays assez loin de chez moi, parce que c'est super long et je pense que deux timbres basiques, ça met quand même longtemps. Même si ça marche, ça met peut-être plus longtemps qu'un timbre monde. Déjà, j'en mettrai moins sur les cartes parce que. Ah, je vais vous montrer les timbres que j'ai mis. Sur les cartes, j'en mets toujours deux. Sauf quand je mets un timbre monde, j'en mets qu'un. Comme ça, voilà. Et les timbres Marianne violet qui sont international, monde, tout ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui les utilisent parce que j'en ai jamais vu. Du moins, je me rappelle pas en avoir vu. Dans les post-crossing ou même sur des cartes moi que je reçois de France. Bon, je suis française donc j'ai pas un timbre au monde, mais je veux dire, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent ça parce que justement c'est plus cher, je pense, mais je dis que c'est plus pratique côté timbre parce qu'on en utilise un peu moins. Donc je vais vous montrer les timbres que j'ai mis sur les cartes. Donc là, vous avez un timbre Marianne classique.
et un timbre Astérix. Ensuite, vous avez un timbre lettre verte comme ça et un timbre animal, c'est un hara. Et ensuite, un timbre Marianne et un autre timbre animal comme ça. Donc, j'en mets toujours deux des timbres pour le monde en tout cas, parce que pour la France, j'en mets qu'un, hein, clairement. Je pense que des timbres monde, c'est vachement mieux. Donc, je vais essayer de m'acheter des timbres monde Marianne violet, surtout que c'est pas commun. On voit plus les rouges et les verts que les violets, à mon simple avis. Et j'aimerais m'acheter d'autres timbres aussi, parce que franchement, deux timbres par quatre, quand j'en écris peut-être 5, 6 ou même peut-être plus des fois, ça fait beaucoup de timbres utilisés. Et oui, je pourrais en écrire moins des fois, mais des fois j'ai juste envie d'écrire des cartes et j'en écris une tonne. Donc j'utilise une tonne de timbres que je manque de timbres. Là, ça va, j'en ai, mais j'aimerais en racheter quand même. Donc le mois prochain, je vais essayer d'acheter des timbres au monde Marianne, mais c'est cher. Donc je vois. Sinon, je prends les timbres au monde. Mon bras fatigue. Je disais, sinon je prends les timbres au monde. Sur laposte.fr, j'avais fait une vidéo de, il me semble, de ce que j'utilisais sur... Non, j'avais fait une vidéo haul où j'avais acheté des timbres sur laposte.fr. Donc voilà, si vous voulez des timbres, créer vos timbres et tout, c'est assez sympa. Ça coûte cher, oui, mais c'est assez sympa. Donc voilà, pour les post-crosseurs, c'est génial. Surtout qu'on peut prendre une photo par exemple de notre pays ou d'un endroit qu'on aime bien et le mettre en timbre, c'est assez sympa. Ou un truc basique, une photo prise sur internet ou quoi, et la transformer en timbre pour les gens qui aiment par exemple des thèmes assez spéciaux dans les post-crossing, ça peut être sympa. Donc voilà, voilà pour ma journée. J'ai joué un peu de guitare comme vous l'avez vu tout à l'heure. Le problème c'est qu'en fait il faudrait que je sois dans le salon pour jouer de la guitare, parce que c'est comme j'apprends sur internet les accords, je regarde des vidéos pour, et ici je capte pas grand chose au niveau internet dans ma chambre. Il faudrait que j'essaye de remédier, mais je sais pas comment. Je sais qu'il existe des espèces de trucs wifi que tu branches quelque part et tu capes le wifi là où tu n'en as pas, mais je sais pas. Il faudrait que je vois ça dans un futur assez lointain, je pense. Donc voilà, sinon je vais vous montrer des cartes que j'avais achetées chez Centre Accord. Il me semble que je ne vous ai pas fait de vlog sur les cartes, donc je vais les chercher. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais je vais vous montrer les cartes une par une. Donc la première, c'est une carte d'un chat. Les cartes, elles sont de Dreiger Paris. Donc je vous mettrai le site en barre d'infos. Moi, elles viennent de Centre Accord, comme je vous ai dit, mais elles viennent du site dreigerparis.com. Donc je vous mettrai
En lien en barre d'infos si vous voulez voir comment c'est les cartes ou quoi. Donc là c'est un joli chat comme ça. J'ai pris pratiquement que des chats. Un chat comme ça que j'aime beaucoup parce que justement j'avais pas de photos de chats, d'animaux, trucs comme ça typiques, enfin communs. J'ai que des trucs antillais, donc voilà. Un beau toutou comme ça. Deux beaux petits toutous comme ça. Un chat qui m'a fait tellement rire dans le magasin. Il est genre à l'aise quoi. Ensuite, un petit lapin comme ça avec, je sais plus comment ça s'appelle ces fleurs là, mais si vous connaissez, dites-le moi. J'aime beaucoup ces fleurs. C'est pas du lilas, je crois. Je sais plus. Enfin voilà. Un petit chat comme ça, tout mignon. Un beau cheval comme ça, tout blanc. Je pense que je retournerai à Centre Accord pour acheter d'autres cartes, voir s'ils en ont d'autres. Un petit hamster comme ça, tout mignon aussi. Ça, c'est des photos, enfin des cartes tellement belles. Un beau toutou comme ça. Celui-là, j'adore. Ça, c'est mon type de chien. Si j'avais un chien, ça serait un chien de ce type-là ou type Golden Retriever parce que c'est les chiens que j'adore. Cette photo là me rappelle une carte que j'avais achetée sur Postal Love qui ressemble beaucoup à ça, mais trop mignon quoi. Un petit chien, je sais plus c'est lesquels ceux-là, c'est les bulldogs français ou anglais, je sais plus. Peut-être français, je sais plus. Et un autre chat. Moi qui suis folle de chats, voilà. Hein. Donc ma petite collection de cartes s'est agrandie. J'espère en trouver d'autres à Centre Accord. Je vais essayer d'en acheter pour Noël. Enfin, pas pour Noël, mais pour le mois de décembre. Parce que Post-Crossing, quand tu nous tiens, tu nous tiens. Donc j'essaye de remettre les cartes un peu dans le bon sens. Sinon, j'ai rangé mon meuble là, mais j'aime pas le meuble en tant que tel parce que c'est juste un truc. Ça c'est une partie, ça c'est une partie, ça c'est une partie. C'est pas, vous voyez, c'est pas collé, c'est juste posé. Et j'aime pas, j'aimerais un truc d'un seul bloc. Donc je pense que dans un futur très futur, je vais essayer d'en acheter un autre parce que ça me convient pas du tout. Donc voilà, sinon j'ai des bouquins que je lis pas. J'ai les bouquins Harry Potter que je n'ai pas encore lu parce que moi la lecture c'est pas quelque chose que j'aime faire. Harry Potter, je pensais que ça m'attirera à la lecture, mais non, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime lire en général. Mais il faut que j'ai envie de lire pour lire quelque chose en fait. Donc je suis plutôt écran, série, film et tout ça. Donc voilà, je vais reposer ça là. Sinon, j'ai vu des trucs là. Je pense que je vais les jeter parce que je m'en sers pas. Et j'ai pas envie de faire ça en fait. Oui, j'aime bien, mais en fait j'ai pas envie de les utiliser. C'est des trucs de coloriage anti-stress là, vous voyez. Et c'est juste, j'ai pas envie. C'est pas quelque chose qui me détend plus que ça. Mais j'avais fait déjà pas mal de coloriage que j'ai jamais fini parce que ça ne me dit rien, mais voilà. Donc voilà. Bon, je pense que je vais finir ce vlog parce que je raconte n'importe quoi. Je pense que je vais le monter aujourd'hui ou demain. Donc vous l'aurez, je pense, ce week-end. Donc voilà. Je vous dis bonne journée. Bonne
semaine ou bon week-end. Ça dépendra quand vous verrez ce vlog. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère une vidéo post-crossing, ça serait pas mal, mais on verra. Bye!